Hey, Grise, c'est quoi ce truc? Quoi? T'avais jamais vu un terrarium avant? Si, mais on n'est pas censé y mettre des plantes. Hey, dis donc, j'ai été plutôt occupé à te trimballer dans toute la galaxie. Tu pourrais peut-être me remercier en me trouvant des graines. Tu détestes pas la nature? Je la déteste à l'extérieur. Mais derrière une plaque de verre d'Ombara bien épaisse, il n'y a rien de plus beau. D'accord, je vais voir ce que je peux trouver. Voyons voir. Allez, en route pour... Enfin un peu de bon sens. Fichons le camp d'ici. Allez, sois franche. Ça t'embête que le droïde ait choisi le gamin plutôt que toi? Ce n'était pas le choix du droïde. C'était le mien. Hein, quoi? Comment ça? Je pense que j'étais censée trouver BD1. Cordova savait que je me lancerais à sa recherche. Mais ce n'était pas de moi qu'il avait besoin. Pourquoi? Il lui fallait une personne qui soit liée à la Force. Je comptais sur BD1 pour détecter sa puissance et son courage. Et c'est exactement ce qu'il a fait. C'est trop mignon. Vraiment mignon. Viens par ici, petit gars. On va pas tarder à se poser. Non, il y a une sacrée tempête! Pas le meilleur moment pour atterrir! Oui, il y a quelque chose d'étrange. J'ai des interférences radio causées par le vent. Hé, Cordova avait dit un truc sur la paix au cœur de la tempête. Et j'aperçois une colonie au milieu de tout ça. Alors il faut qu'on y aille. Bien sûr. C'est pas ces quelques secousses qui vont te tuer, petit gars. Sauf si le vent s'y met. Tu peux demander à ce tas de ferraille de garder son opinion pour lui. Je suis sûr que la situation est sous contrôle. Bien sûr qu'elle est sous contrôle. C'est juste un peu délicat. Ok, allez, tout doux, tout doux.
parfaite maîtrise. Et sans aucun effort. Mais les interférences à la radio sont toujours aussi nombreuses. Il me faut un moment pour la remettre en état de marche. Je vais chercher des traces de Cordova pendant ce temps. Bien. Je te contacte une fois que c'est réglé. Cal, par ici. Tu as fait du bon travail sur Bogano. Plus on aura d'informations sur Cordova et les Efaux, plus on aura de chances de contrer l'Empire. Je ne sais pas grand-chose de ces cultures antiques. Je sais seulement que Cordova a été fasciné par les Efaux et par la puissance de leur enseignement. Moi aussi, j'étais intrigué par les mystères de notre galaxie. Tu devrais y aller. Il y a beaucoup à apprendre ici. Bonne chance. Où est-ce que tu vas ? Oh, il y avait quelque chose là-dedans. Ok, je vais voir ça. Oh, ok. Alors, qu'est-ce que ça contenait ? Je peux pas l'ouvrir. Fais attention, Billy. Ils ont l'air dangereux. Qu'est-ce que c'est ? Cal, tu m'entends ? Les Impériaux, ils ont trouvé Zepho. Ils avaient suivi le Mantis. Ils nous auraient déjà submergés. Ils sont à la recherche des tombeaux ? J'espère bien que non. J'ai trouvé comment faire marcher la radio. Je vais essayer la même astuce pour pirater la leur. Thank you.
arrêté tout à l'heure. Bizarre. On va mieux d'ouvrir l'œil. Avec elle, je vais les éloigner. Oscar, non! On a notre train. Non! Viens là, BD1. Jedi! Allons-y, BD1. Entre toi et moi, Vermine. Trop près. En plein dedans. Est-ce que vous nous emmenez ? Les impériaux ont capturé les villageois. Des réfugiés effrayés, envoyés dans des camps de travail. Ou pire encore. Le projet est suspendu.
affecté ailleurs? J'en ai aucune idée. J'espère qu'on va pas se retrouver dans un autre trou perdu. Quelque chose, BD1 ? Tu peux pirater ça ? Navré pour ton connecteur. Mais faire face à ce bograte, fallait oser. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans ? Qu'on a un problème. Hein ? Je vais aller voir. Oh, j'ai faim. Ça nuit à la qualité de la pâte. J'ai évité de finir comme ça. Ça va pas être pour lui. C'était pas compliqué.
À l'attrait. Entendu. Il faut que je recharge. Attention. Merci, BD1. Être un des défauts. Je crois qu'on est sur la bonne voie, BD. Jedi, en formation. Je le sens pas trop, là. J'ai un visuel.
devrait peut-être aller vérifier. Allez, Jedi, affronte-moi. Non, rien à faire. Un vaisseau de transport quitte la base de l'Empire. Je sais. Il transporte les artefacts Zepho sur Coruscant. Ça veut dire que... Que l'Empereur s'intéresse aux Zepho ? Peut-être. La Joie a été blessée, mais il a eu un Stormtrooper. Sur notre Sienna.
mon blaster et de le remonter en moins de 12 secondes. Quoi? Tu veux une médaille? Oui? Tu crois qu'ils en donnent pour ça? Salut, BD1. Je suis blessé. Je dois me faire soigner. Comment tu te sens, BD1? Bien. Tant mieux.